Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de partenaire, effectivement. Comme vous le savez tous, je suis partenaire avec Legend Wheels depuis maintenant 2 ans, 2 saisons, effectivement, sur route. Et jusqu'à maintenant, j'avais pas eu l'occasion de travailler avec eux sur le cyclocross. Et aujourd'hui, c'est chose faite parce qu'ils m'ont envoyé, hop là, une paire de roues 39 TRS. Et voilà, vous l'avez sous les yeux. C'est juste trop trop cool de pouvoir travailler avec eux. Dorénavant sur le cyclocross. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du coup de cette paire de roues qui est juste ici aussi sur mon vélo de cyclocross actuel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les spécificités de ces roues, voir un petit peu si elles me plaisent. Et puis du coup, on fera une deuxième vidéo où je vous en parlerai un peu plus en détail après avoir testé ça plus amplement. Parce qu'effectivement, les roues, je les ai reçues la semaine dernière et du coup, j'ai pu les tester que sur un seul cyclocross. J'ai quand même un retour à vous faire parce que j'ai vu directement la différence par rapport à mes anciennes roues qui étaient donc des américaines classiques qui étaient donc en aluminium. D'ailleurs, elles sont vraiment très vieilles et elles sont quasi mortes hein, pour le coup. Elles ont carrément la forme des planches pour vous dire, elles sont même plus rondes. Donc autant vous dire que quand je suis passé sur les Legend Wheels, j'ai vu la différence. Du coup, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir avec les Legend Wheels déjà, c'est que c'est des roues artisanales françaises basées à Montauban. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Car niveau communication, que ce soit avant d'acheter votre roue ou après avoir acheté votre roue, vous aurez toujours des réponses avec les Legend Wheels. Et ça, pour moi, c'est un très grand point fort. Bon, pour vous qui faites du vélo depuis un moment ou pas, faut savoir que sur un vélo, le truc le plus important, c'est les roues. Effectivement, c'est ça qui touche le sol, c'est ça qui tourne, c'est ça qui vous emmène tout simplement vers la victoire. Donc pour le coup, les roues, c'est déterminant. Et des roues qui sont légères, ça reste important afin que dans les relances, on puisse envoyer tout simplement. Et en cyclocross, on sait que y en a 1000 des relances à chaque virage. Pour le coup, c'est vraiment déterminant d'avoir des roues qui sont rigides, légères et qui envoient dans chaque relance. Et ici, avec les Legend Wheels, comme toutes leurs roues d'ailleurs, on a des roues qui sont rigides. Ils sont d'ailleurs top 2 sur le magazine Le Cycle, en concurrence avec toutes les autres paires de roues que vous connaissez. Autant vous dire qu'elles sont vraiment, vraiment bonnes. Et c'est donc un peu la spécialité des Legend Wheels. Elles sont vraiment très rigides et franchement, c'est top. Après, ce qu'il faut savoir avec les Legend Wheels, c'est qu'on peut choisir la tension dans les rayons afin de pouvoir définir la rigidité de la roue. On aura donc une première version endurance qui sera donc plus confortable mais moins rigide, une version intermédiaire et une version race qui elle sera beaucoup plus rigide, un peu moins confortable, mais pour le coup, nous, en tant que coursiers, c'est ce qu'il nous faut. Sur ces roues de cyclocross qui sont les mêmes que pour le gravel d'ailleurs, c'est des roues qui sont personnalisables. Effectivement, les Legend Wheels a développé un configurateur et c'est d'ailleurs leur grande force. Vous pouvez définir sur le configurateur que je vous affiche à l'écran tout de suite, c'est-à-dire qu'on peut personnaliser autant la couleur que le choix du moyeu qui est soit du DT Suisse, soit du Legend Wheels. Et pour le coup, vous pouvez vraiment vous faire une paire de roues qui correspondra à vos attentes, à vos couleurs, à votre vélo. Et ça, je trouve ça vraiment top. Pour les roues de cyclocross, Legend Wheels a fait le choix d'une fibre de carbone très haut de gamme. Effectivement, il faut qu'elle soit très résistante parce qu'en cyclocross ou en gravel, on va prendre beaucoup de chocs. Et si ça classe au bout de sortie, c'est pas vraiment le but. Donc ici, on a une fibre de carbone très résistante, la plus haut de gamme. Et comme ça, on a quelque chose qui est fiable et qui tiendra sur le temps. Une autre des particularités de Legend Wheels, c'est le vernis. Effectivement, à ce prix-là, il y a très peu de roues qui sont vernies. Et ici, elles sont vernies par-dessus l'autocollant, ce qui fait que l'autocollant ne se décollera jamais. Et c'est vraiment un gros plus, je trouve, parce que c'est vrai que quand t'as l'autocollant qui se barre, c'est vraiment pas propre. Et nous, on aime bien avoir des roues qui sont jolies. Bon, pour l'aspect technique, ce sont des disques sans torlock. Les roues sont équipables en 10, 11 et 12 vitesses. Et les roues font 1400 grammes à L2. En cette période compliquée pour les marques de vélo, comme vous le savez, il est très difficile de se procurer un vélo, des roues, du matériel. Il faut savoir que chez les Legend Wheels, ils ont du stock. Les roues sont actuellement en stock. Je les ai reçues en seulement quelques jours. Donc autant vous dire que si vous voulez commander une paire de roues pour votre saison de cyclocross cette année, c'est encore possible. Elles sont disponibles dès maintenant. Bon, je vais pas vous spoiler l'aspect test parce que j'ai fait qu'une seule course avec pour l'instant. Mais je peux juste vous dire que ça s'est très bien passé. J'ai tout de suite vu la différence. Sincèrement, c'est juste le jour et la nuit, hein, franchement. Déjà, j'ai des disques, donc forcément ça aide. En plus, j'ai un nouveau vélo, donc ça aide. Mais là, l'aspect des roues, franchement, ça tourne, ça roule, ça relance super fort dans les relances. Même pour moi, d'une semaine à l'autre, j'ai juste changé de roue. C'était juste incroyable la différence. J'ai vraiment senti une performance supplémentaire. Et voilà, j'en suis juste super content. Mais pour le vrai test, on en reparlera dans quelques semaines quand j'aurai fait plusieurs courses avec et que j'aurai donc un avis plus défini sur ces roues. Bon, j'espère que cette vidéo présentation de produit vous aura plu. Je fais pas ça souvent, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, si le format vous intéresse et si vous avez des aspects à améliorer, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. En tout cas, je vous invite tout de suite à liker la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.